Salut, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vlog. Donc dans cette vlog, je voudrais partager avec vous ce que j'ai mis en place au sein de notre famille, c'est-à-dire vivre simplement et simplifier notre vie au quotidien. Donc pour ça, je me suis inspirée de deux ouvrages que j'aimerais vous partager. Donc c'est Vivre simplement, dans une vidéo j'en parle, je vous mets le lien ici. Et un autre ouvrage que j'ai presque fini, c'est celui-ci. C'est l'art de la simplicité, simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Je vous le conseille, je vais vous mettre un lien dans le commentaire de la vidéo, c'est pas grave, pour vous le procurer dans une librairie. Donc c'est grâce à lui que j'ai eu plein d'astuces, donc il y a des choses à prendre et à laisser dans ce livre. Mais il y en a beaucoup qui sont très très intéressantes. Donc la première partie c'est sur le matériel, le minimalisme. La deuxième partie c'est sur le corps, prendre soin de son corps. Et la troisième partie c'est sur le mental. Donc toutes les pensées qu'il faut avoir positives. Voilà. Donc cela passe par un désencombrement de tous nos objets, de tous nos biens. On en a vendu pas mal, on s'en est débarrassé d'autres qui ne servent à rien, qui sont là sur une étagère et à part les dépoussiérer, je vois pas à quoi ils servent d'autres. Et donc on essaye, enfin j'essaye de sortir de ce chaos qu'est le monde avec cette surconsommation et ce trop de choix, trop d'objets, trop de trucs qu'on a et qu'on n'a forcément pas besoin. J'ai mis en place également des rituels, comme pour manger pendant le repas, nous allumons la bougie et en fin de repas, nous l'éteignons. Apportez de l'énergie dans votre intérieur, les parfums, les couleurs, je vous conseille donc d'y mettre des fleurs. Chaque semaine, nous mettons un pot avec des belles fleurs toutes fraîches. On a fait une modification au niveau de l'éclairage. Avant, on avait en haut ici. Là. Au niveau de l'éclairage. Avant, on avait un luminaire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ampoules. Donc, quand on était comme ça dans le canapé, tranquillement, un dimanche matin. On voulait un petit peu de lumière, on avait trop de lumière. Donc du coup, je vous conseille au niveau de revoir toute votre luminosité à l'intérieur de votre maison. Parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas forcément besoin beaucoup de lumière, notamment le salon, où on est là pour être tranquille, être ensemble, voilà. Bon, regardez la télé actuellement, Chloé regarde la télé. C'est que le week-end, hein. La semaine, pas de télé. On profite un peu le week-end.
Et donc voilà, j'ai mis une seule ampoule pour notre salon. De la simplicité, c'est aussi au niveau des soins et des produits qu'on peut avoir au quotidien pour la toilette et le bien-être. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai, ma possession de mon vanity, de ma trousse de toilette. Donc ça se résume à ça. Voilà ce que j'ai besoin pour me maquiller, prendre soin de moi au quotidien. Donc j'aimerais vous parler de certaines choses, notamment ceci. Donc ceci est une brosse en bois de bambou, et là ce sont des poils de sanglier naturels. Donc que je vous explique, j'ai appris grâce à la simplicité que le brossage du corps tout entier une fois par jour 5 minutes et remplace tout ce qu'on peut avoir comme produit bien chimique qu'on achète dans les commerces contre la cellulite, contre la peau sèche, contre les petites rougeurs, contre les varices, contre un simple brossage du corps en entier, des pieds jusqu'aux épaules et au cou, une fois par jour, pendant 5 minutes, suffisent. Le manche s'enlève comme ça. Plus pratique pour brosser surtout les jambes, et puis vous remettez ça pour le dos. Et voilà. Donc sinon j'ai quelques crèmes, mais c'est pour nourrir un peu la paume et les ongles. Donc je prends des produits secrets de miel, et c'est des produits qui ne se vendent pas dans le commerce, qui se vendent via des ventes à domicile. Des super produits. Donc de toute façon vous allez avoir en commentaire quelques liens pour se trouver les produits ou autres que j'ai pu acquérir. Donc voilà, secret de miel pour la crème des mains. Et une huile, alors il faut une huile. Voilà, moi j'utilise l'huile de secret de miel aussi, qui fait donc les cheveux, le corps. J'aime bien aussi en mettre pour les yeux, pour éviter les cernes. Voilà ce qu'il faut avoir, une brosse et une huile. C'est ce qu'il faut avoir dans son vanity. Pour le déo, j'utilise les savons de Joya. Alors pour mon maquillage, voilà, mon maquillage c'est ça. C'est un recourbeur de cils, un mascara et une petite brosse pour après le mascara, pour bien mettre comme il faut les cils. Et donc pour me démaquiller, après j'utilise une huile, là c'est l'huile de coco. Donc avec mes lingettes, mes cotons lavables, je mets de l'huile sur les yeux, ça enlève le mascara. Et puis après j'utilise un autre coton lavable avec du savon, et je savonne pour les yeux, pour enlever. Et puis ça s'enlève très bien, sans frotter fort. Brosse à dents, une brosse à dents en bois de bambou. Fini les brosses à dents en plastique. C'est peut-être un peu plus cher, mais je trouve que ça dure plus longtemps, et surtout fini plastique. Mon dentifrice bio et acheté en grande surface. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les savons. Je me lave avec du savon acheté solide, du savon solide, et j'adore les savons au lait d'anès avec un parfum. Là c'est un savon que j'ai acheté dans un magasin bio, féminine. Là il vient de très fort belle. Je prends des savons qui sont fabriqués dans le coin. Donc voilà, je vais vous montrer ma trousse de toilette. Thank you.
Bah oui, quand tu seras grande, tu pourras faire pareil, tu sais.